Salut, c'est Bboy Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous montre un tuto comment faire une bonne vidéo. Donc, c'est pour tout ce qu'il faut. Donc, déjà, ça dépend l'appareil que vous utilisez. Si c'est un appareil photo pro, ça dépend lequel c'est pour les zooms, etc. Donc, je peux pas trop vous aider sur ce truc. Bon, bref, en gros, si c'est un appareil photo, ça se stabilise très bien. Mais si c'est un téléphone, c'est la merde. Comme moi là. Donc, bref, là, moi, j'ai stabilisé avec des pinces Fimo. Il y a un truc qui s'est cassé la gueule. C'est l'un de mes My Little Pony, c'est pas grave. Bon, après, j'avais fait ça. Enfin, je vais le décorer encore avec de la chantilly. C'est des trucs pour mon fun. C'est pile poil la taille. Sauf que, en fait, avec la chantilly, je vais la faire un peu monter pour que ça stabilise encore plus. Parce que ça se casse la gueule. Ouais, j'ai Trixie. Paillettes transparentes. Là-bas, c'est Sunny Ways qui s'est un peu cassé la gueule en fait, mais c'est pas grave. Donc déjà, c'est la merde pour stabiliser le téléphone. Donc voilà, je vous conseille un appareil photo, mais faut donc avoir pour une bonne vidéo un site de montage. Parce que moi, j'en ai un, c'est Movie Maker. Ben, on l'a tous. Pardon. Je vous ai dit, hein, c'est chiant. Hein. Attendez. Cognard, va. Bref. Donc voilà, donc j'ai tout le monde à Movie Maker parce qu'il est gratuit, il est fourni avec l'ordinateur. Mais le Movie Maker, il a tendance à bugger celui que j'utilise. Alors je l'utilise pas trop. Oui, je vais chercher ce Sunnyways. Si vous me voyez, c'est pas grave. Bref, donc voilà. Aïe. Pardon. Bref. Donc bon, ça sent de gueule. Alors. Déjà, il vous faut un site de montage. Donc moi, bah, Movie Maker, il est gratuit, mais il bug. Donc voilà. Donc je fais plus trop de montage, parce que ça prend trois plombes. Un coup, il bug parce que j'ai posé une vidéo. L'autre coup, il veut plus rien m'enregistrer. Donc c'est la grosse merde. Et voilà. Et puis après, ça me saoule tellement que je me casse. Et que je fais des jeux. Bref, donc voilà. Et bah, on passe à la bonne luminosité déjà. Donc c'est mieux de faire une vidéo le jour. Donc là, c'est l'après-midi, on est mercredi après, mais il est... Attendez. Elle voit pas ma montre. Il est presque 1h30. Donc voilà. Pour être précis, il est... Précise, pardon. Il est 1h27. Et 30 secondes. Bref, donc voilà, donc il y a la bonne luminosité du jour. Faut se placer près d'une fenêtre. Pour avoir un joli décor aussi, donc là c'est une plante, c'est de la vigne. Comme ça, voilà. Donc ça dépend le style de vidéo que vous voulez faire. Si ça doit parler des maisons, du style, bon, ce que moi je ferai jamais. Ça doit parler des maisons, je me mettrai derrière un mur. Ça doit parler des plantes, je me mettrai derrière une plante, comme là. Mais là, ça parle pas des plantes. Mais c'est là où il y a la lumière, où il y a la bonne luminosité, où ça met dans l'ambiance zen. Donc voilà, ça dépend la vidéo. Après, attendez, je stabilise. Donc là, la vidéo, c'est dans la catégorie tuto, bien évidemment. Hein. Puis voilà. Donc si vous voulez filmer un autre écran, du style la télé, comme je fais moi pour les My Little Pony, là, les épisodes, ou le téléphone pour le jeu que j'ai montré de Pet Shop, là, où on voyait que dalle, parce que j'ai filmé avec mon appareil photo, que lui, il fait pas la macro, donc c'est un mauvais appareil photo. Mais bon, enfin, mauvais. Perso, il n'est pas mauvais, mais il fait pas la macro quoi. C'est pas macro tout seul. Parce que quand je filme, je peux pas zoomer. C'est pas grave. Bref, donc quand vous voulez montrer, enfin, filmer un écran, mettez-vous dans un endroit où il n'y a pas trop de luminosité, comme ça on verra que l'écran. Parce que sinon, ça fera trop de lumière et ça va péter les yeux. Pour le son, je vous conseille de pas trop vous mettre près de votre téléphone comme ça, sinon ça casse les oreilles et t'en as ta claque. Mais je vous conseille de vous mettre au moins à 20 cm de votre caméra. Donc voilà. Après, ben je sais pas trop ce que j'ai à vous dire. Hein. Ah oui, mettez-vous à un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Du style, pas la circulation, mais moi, il y a trop de circulation. Sauf le mercredi où il n'y en a pas trop, mais bon, voilà. Et voilà. Et voilà.
Voilà. Ah oui, faut pas filmer n'importe où, genre pas trop dans la salle de bain. Parce qu'avec l'eau, bof, bof, quoi. Dans la chambre, on peut. Là, je suis dans le salon. Dans les toilettes, c'est un peu bizarre. Donc, bof, bof, quoi. Et voilà. Bon, dans la cuisine, oui, mais il faut quand même faire gaffe aux électroménagers et tout. En gros, faut bien choisir son endroit pour filmer. Donc, il y a le bureau. C'est bof encore, mais bon. Il y a le bureau, il y a le salon, il y a la chambre. Ça fait déjà trois pièces où on peut le faire. La vidéo, donc. Il y a le balcon aussi. Mais vous mettez pas près du bord, hein, au cas où votre caméra chute. Hein? 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 Bref. Donc voilà. Si vous voulez montrer des objets à paillettes comme ça, translucides, qui brillent, qui font péter les yeux. Pas trop de luminosité, mais un peu quand même, comme ça, là, c'est bien. Parce qu'on voit bien les couleurs. Oui, c'est de la forme de Farity. J'adore! Elle est trop jolie. Et si vous voulez montrer un truc genre transparent avec du fluo, bah pas trop de luminosité non plus, comme ça, là, c'est bien. Mais si vous faites une vidéo le soir, mettez de la lumière, certes artificielle, mais pile à côté de vous. Mais si vous voulez montrer par exemple un truc transparent comme ça, mais scotcher une feuille à votre petite lampe, comme ça va un peu atténuer la lumière et on verra mieux les choses. Donc voilà. Comme là, il y a un peu trop de luminosité. Voilà, là c'est bien. Je mets ma main, je suis crevée, j'en ai ma claque, je la pose. Hey. Donc voilà, si vous avez un trépied pour téléphone, il paraît qu'il en existe, mon père il m'a dit, mais pour moi j'en ai pas, donc voilà, bah, vous pouvez le prendre. Moi j'ai qu'un trépied pour mon appareil photo, mais bon là il a plus de batterie donc ça sert à rien. Et puis j'ai la flemme de le chercher. Bonjour! Donc voilà, mais de toute façon avec mon phone c'est mieux là, en plus en même temps il est en train de charger là. Vous le voyez pas depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Bref, donc bah salut! J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et bah, bye bye. Y'a le pain de Fimo. Voilà, salut!